Madame Monsieur, bienvenue à votre émission d'actualité hebdomadaire. C'est par souci de transparence que la ville d'Israël, avec son maire, Monsieur Jacques Lessard, en tête, que la ville a distribué à ses citoyens une brochure explicative sur la gestion des contrats de services professionnels en ingénierie pour la période de 2001 à 2013. Nous ne pouvions passer sous silence l'ampleur des conséquences pour nos citoyens dans ce dossier. Garder le silence aurait fait de nous des complices. Par contre, il n'est nullement question de vengeance, devait préciser M. Lessard. Ce dernier a reconnu que c'est par pur hasard que la Ville d'Israël a pris connaissance de la situation à l'automne 2015. Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a alors refusé de reconnaître les dépenses transmises par la Ville pour le volet ingénierie relié à la période de 2001 à 2013, alléguant le non-respect par la Ville des règles d'octroi de contrat par les ingénieurs et autres professionnels. La problématique touchait deux dossiers majeurs, à savoir celui de l'usine d'eau potable, de même que celui de la rénovation des infrastructures de la rue champoux octroi de contrats de gré à gré et non par soumission et fractionnement des contrats pour certaines firmes contrevenaient au protocole d'entente avec le mamo aucune autorisation de paiement pour cette firme d'ingénieurs n'avait d'ailleurs été déposée au conseil municipal pour approbation pendant cette période lorsque le montant réclamé était supérieur à 5 000 Tout cet imbroglio a eu pour conséquence des pertes financières évaluées entre 1,3 et 2 millions de dollars pour la période de visée. De plus, la ville d'Israël a versé la somme avant-taxe de 3 610 000 en honoraires à la firme d'ingénieurs. Le pourcentage d'honoraires chargés par la firme variaient entre 18 et 30 alors que les standards applicables parlent de 8 à 10 L'implication des avocats de la Ville d'Israël dans ce dossier a nécessité des déboursés de l'ordre de 29 500 Nos citoyens se devaient de connaître la nature de ces frais juridiques, d'affirmer le maire Jacques Lessard. Ce dernier a conclu en mentionnant que la ville de Disraeli avait maintenant deux options, fermer définitivement le dossier ou entreprendre des poursuites formelles contre la firme d'ingénieurs pour obtenir le remboursement des frais payés en trop. Le conseil municipal entend s'accorder quelques mois de réflexion avant d'adopter une position définitive dans ce dossier. Par ailleurs, mentionnons que le 28 septembre 2016, l'Unité permanente anticorruption, connue sous le terme LUPAC, a été saisie du dossier par la ville d'Israeli, un dossier qui est toujours à l'étude actuellement. Il ne manque plus que l'aval du ministre Martin Coiteux des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Pour que le conseil municipal de la paroisse de puisse procéder au changement de nom et adopter celui de municipalité de bellerive Juge administrative et membre de la commission municipale du Québec, Mme Sandra Bilodeau, qui a précédé les audiences publiques des 21, ou plutôt des 27 et 28 février dernier, a déposé son rapport en avril dernier rapport qui est parvenu à la municipalité à la mi-juillet. Madame Bilodeau en est venue à la conclusion que le rôle de la commission était de comprendre les raisons de l'opposition, de les analyser et de conseiller les ministres. Après avoir analysé les arguments soumis par les opposants, la commission est d'avis qu'ils n'ont pas la suffisance, l'importance et la fiabilité nécessaires pour freiner la décision de la municipalité de changer de nom. La Commission municipale du Québec a donc recommandé au ministre Martin Coiteux du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire d'accepter la demande de la municipalité de la paroisse d'israëlie de changer son nom pour celui de municipalité de Bellerive. Le maire André Gosselin a émis le souhait de recevoir l'aval du ministre aussitôt que possible afin de mettre en branle les étapes suivantes dans ce dossier. Dans son rapport de 51 pages, Madame Sandra Bilodeau affirme que la municipalité a agi en toute transparence et qualifie de sans fondement les arguments voulant que la municipalité ait agi en catimini et que les coûts relatifs à ce changement de nom soient exorbitants. Quant aux inconvénients reliés au changement d'adresse, elle affirme qu'ils sont normaux et acceptables. La municipalité est allée au-delà des exigences de la loi sur l'occupation du territoire municipal. Terminons en rappelant que la commission de toponymie du Québec a accepté la suggestion du conseil municipal et qu'aucune autre municipalité du Québec ne porte le nom de Bellrick. Qui aurait pu penser que la bottine souriante et Véronique Labbé feraient les frais de son parti du jour de l'an? Ben, C'est ce qui arrivera sur le site du Centre historique de la Mine King, KB3, le 31 décembre prochain, à l'occasion de l'arrivée de la nouvelle année. Véronique Labbé fera son entrée sur scène vers 22 h avec son spectacle Mon Noël Country. La bottine souriante prendra la relève avec pas moins de 10 musiciens sur scène. La présidente de Spectar, Madame Suzanne Lacombe, nous donne davantage de précisions. Comme nous l'annoncions plus tôt cet été, c'est avec une grande fierté et avec beaucoup de bonheur que Spectar, en collaboration avec la ville de Tetford Mines, reconduise l'événement extérieur du 31 décembre qui avait connu un immense succès l'an passé. Alors toute la population sera donc conviée à ce parti qui se veut rassembleur et festif afin de terminer l'année dans la joie et amorcer 2018 de belle façon tous ensemble. Alors ce sont donc dix musiciens chevronnés qui offriront les plus grands succès des veillées du jour de l'an. Comme nous les connaissons et que nous les aimons. Ce sera donc un spectacle à plus grand déploiement que l'an dernier, puisque même une danseuse folklorique accompagnera le groupe et viendra ajouter à cette ambiance de fête. Nous pouvons être très fiers que ce spectacle soit présenté chez nous à Taffer Mines un 31 décembre. Toute l'équipe de spectateurs est très fière d'être au cœur de l'organisation de cette belle soirée. C'est donc une invitation à tous. Évidemment, il y aura encore cette année un service de bar sur place et tous les autres détails concernant la logistique pour les stationnements et les règlements en vigueur ce soir-là vous seront communiqués plus tard en décembre prochain. Il va sans dire que cette soirée permettra de clore les festivités du 125e anniversaire de la ville de Teppermint. À cet effet, voici quelques mots du maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Alors, on est content, content d'être ici aujourd'hui. Écoutez, on, on s'est fait un peu prendre l'année dernière avec quelque chose qui a été un succès. Et que les, même si, à la base, on ne s'était pas trop posé la question si on cherchait à le refaire, ben rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait le refaire. Donc, on a débuté les, les discussions avec Spector assez rapidement, suite au spectacle, donc... Ça un succès, entre autres, parce que ça avait été organisé de main de maître avec, euh, par spectateur. Alors, déjà, on lève notre chapeau là-dessus parce que c'est pas nécessairement évident de faire des spectacles extérieurs. Quand c'est la première édition de quelque chose, c'est toujours plus compliqué aussi. Donc, euh, puis là, on était sur un, sur un, un nouveau site. Donc, ça a été vraiment un succès. On est très contents. Écoutez, euh, il y avait les feux d'artifice qui avaient été superbes. On peut s'attendre à avoir quelque chose encore cette année qui va, être, qui va être très bien. Maintenant, on est en pleine année du 125e anniversaire. Euh, c'est ce qui va, évidemment, c'est ce qui avait ouvert les festivités, c'est ce qui va clôturer les activités aussi. On va avoir eu plusieurs, euh, plusieurs beaux événements pendant l'année. Il y en a eu un au cours des derniers jours aussi avec euh, tous les anciens élus de, de la ville fusionnée. Euh, ça, euh, ça a été une belle activité, mais beaucoup de choses différentes qui ont été faites, qui nous ont permis de, de, de célébrer euh, l'histoire de notre ville. Alors, euh, je pense qu'on va terminer ça en grande avec un superbe spectacle ici sur le site du Centre Glaming King. Évidemment, euh, comme on, on est bien capable de le faire chez nous, c'est des événements gratuits. Donc, euh, encore une fois, ça va être tout à fait gratuit euh, pour les gens de la région de pouvoir venir, de pouvoir venir ici. Donc, euh, à la place d'organiser un gros parti qui va salir à toute votre maison, Vous pouvez sortir les gens, à la limite juste les ramener pour le réveillon en fin de la soirée. Mais euh, ça va être vraiment une belle occasion pour les gens de la région de venir fêter euh, en famille, entre amis. Ici, de Terminons en mentionnant que, tout comme l'an dernier, un feu d'artifice pyro-musical marquera le passage à la nouvelle année. La Corporation de développement communautaire des Appalaches se lance dans un projet mobilisateur ambitieux pour mieux faire connaître aux citoyens les services et les programmes qui peuvent leur venir en aide. Elle coordonnera la tenue d'un salon d'information itinérant qui fera le tour des 19 municipalités de la MRC des Appalaches au cours des trois prochaines années. La Corporation de développement communautaire a présenté son projet intitulé La Grande Tournée des services à votre porte. Le directeur général de la CDC, M. Martin Cloutier, nous donne plus de précisions. Par rapport au contexte, ce n'est pas la CDC qui a eu l'idée toute seule de dire on va faire une grande tournée de la MRC pour présenter. Euh, les services, les programmes à la population euh, partout sur le territoire. Oups, ça bouge. Euh, Ce pas nous tout seuls qui avons eu l'idée. Il y avait eu des précédents dans Bellechasse, dans Le Binière, euh, des, des précédents qui avaient eu un beau rayonnement, puis dont la, dont la MRC elle-même a, a pris connaissance parce que ça a eu un, un rayonnement qui a débordé un peu les, les frontières des autres MRC où ça a eu lieu. Euh, et puis. Euh, il y a environ un an, peut-être un peu plus, la MRC était venue nous, nous rencontrer en, à la table des membres pour nous dire Hey, c'était cool ça, ce qui s'est passé ailleurs. Il y avait déjà un intérêt pour, pour ce, ce, ce projet-là. Euh, puis nous, à la CDC, puis les, les groupes membres, on a dit C'est vrai que ça serait intéressant, puis on serait prêt à, à embarquer là-dedans, puis à coordonner le projet pour que ça soit réalisable. Euh, puis c'est là qu'on a présenté le projet au Fonds de développement des territoires à la MRC. Euh, pour, euh, pour avoir du soutien de leur part, puis ils ont été euh, un partenaire du premier instant, je dirais. Là. Tout de suite, euh, ils, ont, ils ont reconnu euh, euh, la pertinence de ce projet-là, ça nous a fait euh, bien plaisir de, de pouvoir tisser une collaboration comme ça entre le milieu communautaire et puis euh, le milieu municipal. Donc, c'est une action, je vous la décris un peu, c'est un salon, un salon des organismes, si on veut, un salon des programmes, des services qui va adopter une formule itinérante. On va se promener partout sur le territoire, dans les 19 municipalités, aller rencontrer chacun dans sa municipalité pour lui présenter qu'est-ce qu qui est offert à la population. Euh, donc, on ne fera pas juste un salon, par exemple, dans la ville-centre ou... Euh, non, on va aller partout. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de, de, de population dans un, dans un petit village qu'ils ne méritent pas de recevoir l'information directement chez eux. Alors, c'est vraiment... Notre ambition, c'est de faire un tour complet euh, puis d'offrir une opportunité à tout le monde de venir rencontrer les services en personne, parler aux intervenants, parler aux directions. Parler à des bénévoles qui s'impliquent dans ces différentes organisations-là. Et c'est pas juste le communautaire, on parle du communautaire depuis tantôt, mais c'est le communautaire et ses partenaires. Euh, il va, il y a des, euh, La commission scolaire est là, Translab, une entreprise d'entraînement, est là. Il y a plein d'acteurs qui sont des, des collaborateurs aussi avec le, avec le milieu municipal, avec, la, avec le communautaire, donc euh, euh, dans plein d'occasions. Donc ils vont être là eux autres aussi pour parler de tout ce qu'ils ont à offrir puis qu'on puisse faire des maillages aussi, tout ce beau monde-là ensemble. Euh, donc, 19 municipalités, évidemment, on ne fera pas le tour toute cette année. Ça va être étalé, étalé sur trois ans pour rendre ça viable, soutenable. Euh, euh, et grâce euh, euh, à l'appui de, de, de la MRC, mais aussi de l'appui de Desjardins, qui nous soutiennent aussi pour cette tournée-là, euh, on va pouvoir là, faire, euh, faire le tour et, et, et tenir ce projet-là pendant ces trois années-là. Donc, je dis, on n'y a pas pensé tout seul, on… On n'a pas mis ça en œuvre tout seul. C'est collectivement qu'en joignant tous nos efforts, on, on arrive à faire quelque chose qui est, qui est mobilisateur. On a une belle preuve, je trouve, cet après-midi. Quelque chose quand même d'ambitieux aussi. Euh, et, et qui est un, un beau signe que c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on arrive à faire quelque chose pour la population puis améliorer ses conditions de vie. Et, et c'est en mettant la population dans le coup aussi, en l'informant, en, en lui donnant toute l'information qu'elle a de besoin, euh, pour qu'elle puisse faire partie de la solution elle aussi, puis s'adresser aux bons services puis aux bons programmes. Alors, euh, merci à tous d'être là puis de nous soutenir dans ce beau projet. Comme il est question d'information, M. Pierre Sévigny, le président de la Corporation de développement communautaire, a souligné l'importance de l'information dans de tels dossiers. Nous lui cédons la parole. Comme président de la Corporation de développement communautaire, je me réjouis de constater encore une fois. Que les gens de la région prennent les grands moyens pour favoriser la mise en place d'un mécanisme, mécanisme de nature à permettre au milieu d'être en mesure de mieux se prendre en main. Vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que l'information constitue encore et toujours le moyen par excellence pour favoriser cette prise en main. Il n'y a rien de plus navrant que de voir des gens qui se retrouvent dans des situations problématiques par ignorance, par le simple fait qu'ils ne savaient pas qu'ils auraient pu recourir à de l'aide. Et des organismes qui offrent une gamme variée de recours, nous en avons une très grande quantité dans la région. Et c'est ce que la grande tournée de la MRC des Appalaches va permettre à la population de la région de découvrir. C'est la municipalité d'Isbroughton qui sera la première à accueillir le salon d'information itinérant sur les services et les programmes disponibles sur le territoire de la MRC des Appalaches, intitulé La Grande Tournée des services à votre porte. Le salon s'installera à la salle municipale d'Isbroughton le mercredi 27 septembre de 15h30 à 20h. Les autres municipalités visitées dans le courant de l'année seront Disraeli, Atstock, beaulac Lac Coleraine et Saint-Clotilde. Le comité organisateur du Festival Pro Mutuel de la Relève de Thetford annonce cette année que plus de 9 000 ont été remis à différents organismes de la région. Mentionnons l'association Ringette tetford Coup de pouce-nourrice, le relais pour la vie, dystrophie musculaire, Grand Frère-Grande Sœur, Regroupement des Chasseurs et Pêcheurs des Appalaches, le Club Kiwanis et la Fondation du CLSC. Ces huit organismes ont pris en charge la vente de boissons dans les différents bars du festival en 2017. Année après année, nous sommes fiers d'aider ces organismes qui s'engagent à fournir des bénévoles pour le service de bar aux festivaliers et tous les pourboires reçus retournent à ces organismes, a expliqué le président du Festival promutuel de la relève de Thetford, M. Michel Verraux. On estime que plus de 250 bénévoles présents pour les trois soirs du festival. De plus, des représentants de ces organismes ont aidé au démantèlement du site le dimanche matin. M. Verroux a précisé également qu'une somme de 310 dollars a été remise à la fondation du Dr. Julien via le Centre de pédiatrie des Appalaches grâce à l'argent amassé lors de la récupération des canettes d'aluminium pendant l'événement. Rappelons que récupération frontenac s'occupait cette année de promouvoir la mise en valeur des bonnes pratiques à utiliser pour un monde plus vert lors du festival de la relève l'académie de cirque ado d'ado offre cet automne soit du 30 septembre au 9 décembre une série de cours de cirque et de gymnastique pour les enfants de 3 ans et plus les jeunes participants pourront ainsi expérimenter divers, diverses disciplines comme le gros trampeau et le mini trampeau la barre russe, la jonglerie, l'acrobatie, en plus des disciplines aériennes suivantes le trapèze, le tissu, le cerceau, la corde et la sangle. Pour plus d'informations sur les cours, on peut rejoindre Madame Nathalie Poulain au 8 9 7 ou plutôt 819-572-0814 ou euh, sur le site de l'organisme. L'organisme a également sa page Facebook, Académie de cirque Ado Dado. Rappelons que l'Académie de cirque est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de créer de l'emploi pour les jeunes moniteurs de cirque. De la région de la, de la MRC des Appalaches et de la MRC du Haut-Saint-François, en plus de faire découvrir les arts du cirque aux enfants de la région. Le service de la sécurité incendie de la ville de tetford Mind invite la population à sa journée porte ouverte de la caserne qui aura lieu samedi, le 23 septembre, entre 10h et 15h. Cette journée est l'occasion pour les jeunes et les moins jeunes de découvrir le milieu de travail des pompiers, d'assister gratuitement à des démonstrations, de recevoir des conseils de prévention, de visiter les camions et d'en apprendre davantage sur le métier de pompier, de mentionner le pré préventionnisme M. Martin, Maxime Poulain Grenier. L'an dernier, l'activité avait permis de réunir un peu plus de 500 citoyens. Cette journée avait été l'occasion pour les pompiers de rappeler à la population les consignes à respecter au moment où un incendie de résidence survient. Donc c'est un rappel, samedi 23 septembre, entre 10h et 15h, porte ouverte à la caserne des pompiers de Tapernment. Dans le cadre de leur 50e anniversaire, les Cabotins ont eu envie de mettre les bouchées doubles et d'offrir à ceux qui les ont vus grandir et s'épanouir, de même à ceux qui souhaiteraient les connaître davantage, une saison de théâtre exceptionnelle qui débutera par un événement unique les 29 et 30 septembre prochains, à 20h, au Studio Théâtre Paul -Hébert. Un événement qui combinera gastronomie, théâtre et plaisir. Il s'agira d'un spectacle faisant la rétrospective de leurs 50 années. spectacle Les Cabotins d'hier à aujourd'hui racontera l'histoire de la troupe à partir d'extraits de pièces de théâtre jouées et chantées, d'anecdotes, d'archives et de souvenirs. C'est ce qui met un terme à ce bulletin d'information pour cette semaine. Je vous allez être des nôtres la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été là et demeurez à l'écoute. Zoom Appel suit dans quelques instants.